No need to run. On a un confinement. No need to run. Jean Gilbert est en direct. J'attends que vous arriviez. Keep in touch, hein. Oh, ça y est. Les enfants. Tes fans sont là. Sylvia. Hey. Hey. Cher coronateur de Coronaland, bienvenue, voici mon trône. Alors, bienvenue à la séance de midi, le cours complet que vous prenez soit par morceau, soit en entier. Donc vous avez le cardio, on voit. Si on court, on est chaussé avec des chaussures de course, sinon on reste plutôt vers le sol. Ensuite, on a la barre avec un poids et la chaise. Pour le poids, vous pouvez prendre une petite canette 500 grammes. 1 kg, c'est le moment du placement déjà. Et après, nous allons au sol. Avec les adaptations pour la tête et l'étirement et la résistance. À la fin, on a un quart d'heure d'étirement. Je voulais vous dire que c'est mercredi. Donc nous avons en même temps la captation pour M6 pour les salariés. Donc pas maintenant. Nous faisons cardio ensemble et après tout ce qui est barre pilates et pilates au sol, il va y avoir une caméra sur le côté qui va filmer en même temps. Donc il y aura un ton différent. Ça sera un peu plus sérieux. On fait pas de blagues, on peut pas répondre non plus aux messages. Voilà, si jamais on peut pas parler. Si jamais le réseau saute pendant ce moment-là, Régine qui est à la régie va rétablir le réseau, mais elle ne pourra pas vous dire on reprend, etc. dans cette demi-heure-là. Ok ? Ça marche ? Et on se retrouve, on peut parler au stretching. Mandy, on se verra à l'école avec le surveillant général. Allez, on y va ? Je remets tout ça là-dessus ? J'ai fait coucou. Allez ! Le cardio! Yeah! La musique! Ouais, ça va, t'exiges, hein? Ça va! C'était bien hier, hein? Mon anniversaire! Moi, des millions de copains! Des millions de copains! Se donne la main! Elle va passer à côté! Tenez ça! Les épaules en arrière et en bas. La respiration plus avec la bouche. Jamais avec le nez, c'est trop petit comme baby. Allez, tout petit. Pensez surtout à souffler longtemps. C'est un échauffement, hein. Avant de monter la température du corps, voilà, vous allez doucement. Ok, on reprend un pas de chaque côté. Les enfants, je voulais simplement vous dire, je ne sais pas si Régine va pouvoir vous montrer. Il y a une petite bougie qui est allumée là. Est-ce que vous la voyez? Oui, et donc? Donc, cette bougie, c'est pour Jamel. Jamel est en train de se battre pour vivre avec le virus. On ne sait pas s'il va s'en sortir. Il est dans le coma. Qui est-ce? Voilà. Qui est-ce? Donc, c'est quelqu'un qui est proche. Ah. Donc, si vous pouvez tous envoyer une petite pensée pour lui, ça pourra faire quelque chose. On reprend? Allez. Il y a Régine qui est en train de faire la même affaire comme ça. Avec le chignon. Le chignon, genre le truc improvisé en fait. Vous sentez comment ça fait chaud? Alors. Florence dit bon anniversaire en retard. Oh! Ton short est de plus en plus court. Non, c'est mon t-shirt qui a rallongé. Tiens, je fais comme ça. Coucou! Je vais faire virer M6, vous allez voir. Pour la shorteur de mon short. La courteur. La courteur.
Vous allez ralentir tout doucement parce qu'on va étirer rapidement. Derrière la jambe. Derrière la jambe. Et on revient. Allez, petite pause. On va continuer les étirements. Mais on ne baisse pas le rythme cardiaque. Vous êtes légèrement essoufflé. On étire les mollets. En parallèle. De l'autre côté. Et on reprend. Le dernier étirement, c'est une petite fente pour étirer les fléchisseurs devant le bassin. Vous êtes prêts? Allez, on le fait. De côté. Et on reprend. Allez, petit. Allez, on assemble. Assemble. En haut. En haut. En haut. Voilà, vous êtes toujours légèrement essoufflé, c'est tout. Si vous voulez le faire au sol, n'hésitez pas. Si vous voulez mélanger sol et un peu sauter, faites votre cuisine. Deux fois vers là-bas. En haut, en haut. Assemble, assemble, assemble. Encore. Le genou et la pointe dans la diagonale. Encore. Alors, on a une 10 minutes comme ça. C'est dur de faire le deuxième, hein, t'as vu? On suit toi? Ok. Chat. 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 Ah. On pouvait faire des choses comme ça, hein. Vous ouais, voulez? Mais tu peux pas aller dans le décor, par contre. En l'air. En l'air. Les bras par l'avant, vous voyez comme ça. Je reviens. Allez. Je suis pas de mon côté. C'est horrible pour moi. Ok, allez, cours. Récupérez votre rythme. Ça va bien. J'ai pris des habitudes, je me regarde dans le miroir. Je fais de la danse. J'ai l'intégré. Allez, on y va. On le bouge. Et on reste. Et on revient. Toujours plus d'expiration que d'inspiration. Encore, côté. Vous savez, il y a un moment, ça marche plus. Ok, allez, relâche. Ok, calme, ok, calme. Mets-moi le bras. C'est dur. Mais vas-y, vas-y. Dehors, vous savez, à Paris, les gens, allez, tout petit. Hein? Aujourd'hui, c'est froid. Vas-y, courage, Jean-Gilbert. T'es en train d'éliminer ta graisse. Voleur ! Mais il volait ma graisse. Allez, plante de talons. On se déplace sur le côté. Comment ça va, vous ? Après mon anniversaire ? Vous avez survécu ? Vous savez que j'ai le péril et l'argent. Je l'ai devant moi, je l'ai retrouvé sur le balcon. Je l'ai montré hier soir et ce matin. Il y en a qui l'ont pas vu, je crois. Il existe vraiment. Le péril et l'argent, fait chez Christophe, en 75, marqué Bon Noël. Allez, récupère, il y a la pub. Oh là 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 là. Oh la 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 la
t'as dit de pas chanter. Je chante. Je changerai pas d'avis. Et je changerai pas d'avis, je chante. Allez, retourne en avant. Penche en avant, ouvre la poitrine. Ah, il fait chaud, hein, Alice. Ah oui, il fait chaud. Laquelle? Ah. Poggio Novo. Ah, mais encore, chérie. Ouais. C'est bien. Tu avais encore quand je t'écoute? J'avais 26 ans. Ouais. Moi, j'en suis jamais allée en Corse. Toi, Gilbert? Moi, j'ai une tête de Corse. Moi? Ah ouais. Non. Ah ouais. Et alors? Pourquoi pas? Tu peux gagner. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Allez, on relâche. Plie. Vers l'extérieur. Vers l'extérieur, le genou. Allez, plie et assemble. Allez, on continue ça. Plie, assemble. Plie. 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 Mon Dieu, il y a Instagram qui arrive. Insta, kilogramme. Allez, dernier. Ok, relâche. On avance en recul. Avance. Ok. On va se rencontrer, hein. Ça va, ça? On peut le garder en faisant les assemblées comme ça? Allez. Je regarde ce qu'elle a fait dans la pétanque belgique, là, j'ai pas envie de la prendre. C'est pas que la pétanque, hein, aérobédique, que tu as, c'est une installation entière, aérobédique. Je pourrais dire autre chose, hein, mais j'ai pas dit, parce que quand même, j'ai un filtre, moi. Je dis pas tout. Comme vous avez remarqué. Mais si tu n'es pas content, va voir ailleurs. Si j'y suis. Go somewhere else to see if I am there. Hein, Sylvia? Mon installation est revédie qu'il n'est pas content. Ok, voilà. Ça va? Ouais? Sur le côté, comme ça. Bien. Ça je te fais un petit effet spécial avant que tu te taises pendant deux sets. Les genoux, les pieds vers l'extérieur. Ils ont fait ça version dance. Je n'y crois pas. Ils ont massacré la Lady Gaga. Oh. Encore. Moi, je suis fan de Lady Gaga. Vous en foutez, mais je vous le dis. Comment ça s'appelle? Lady Gaga. Stéphanie Germanotta. Germanotta. J'adore. C'est comme un Germanotta. C'est plutôt Germanotta. Maintenant. Germanotta. Germanotta. Son prénom, c'est quoi? Stéphanie. Stéphanie? La Stéphania. Ok, allez, relâchez. On se calme tout doucement. Calmez-vous, marchez. Buvez. On se retrouve pour la partie silencieuse. On se retrouve à l'église, les enfants. Allez. Prenez les alliances. Marchez, marchez. Je vais boire. Faut pas qu'il voit que j'ai déjà fait quelque chose. Bon, Gilbert, repoudre-toi le nez. Je te dis. Hein. Je me suis repoudré les fesses. Je suis trompée, mince. Je savais qu'il y avait un truc.
Oh, j'ai pas besoin de te dire que tu dois te coller à la fenêtre, voir sortir. Parce que je n'ai pas de recul. On y va. Ok, 1, 2, 3, silence les enfants. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour M6 et tout le groupe. Alors, cette semaine, nous avons encore notre barre de pilates et ensuite le sol de pilates avec le tapis, le coussin et la serviette. Allez, on commence à la barre. Avec ou sans chaussures, mais avec des sans chaussures, vous avez plus de sensations sur les pieds. Faites comme vous voulez. Allez, on commence de profil. Une main en avant, vous pliez sans décoller les talons, vous tendez et vous montez sur la pointe des pieds. Et dans un moment, si vous voulez, on va prendre un poids. Donc si vous avez un poids qui ressemble à une bouteille, maximum 1 litre, ou une canette, 500 grammes, 700 grammes, vous allez le prendre. Là, pour le moment, on est en train de délier tout doucement. Il y a la régie qui me dit de me pousser. Et la régie peut parler, hein. On est en confinement. Hein. La régie, vous n'avez pas vu les stars à la télé? Hein? C'est les stars, hein. Non, 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 vous pouvez tout parler. On fait l'autre côté? Allez. Vous êtes en V, léger V. Donc vous pliez les genoux au-dessus des orteils. Vous serrez et vous montez sur la pointe des pieds. Voilà. Pensez à votre périnée. Parce que si vous ne pensez pas à votre périnée, comment voulez-vous qu'il pense à vous? Vous soufflez, vous montez. Les doigts toujours en avant sur la barre. Hein. Ne partez pas en arrière, c'est ça tout le travail abdominal. Coccyx vers l'avant. Il y a toujours quelque chose à corriger, c'est pour ça que je vous fais l'exercice en entier. Parce que c'est plus que de la gym, hein. Ce sont des choses qui sont ressenties avec des muscles posturaux. Donc les muscles posturaux, c'est pas inné. C'est acquis, les enfants. C'est acquis. Allez, vous passez de l'autre côté, vous prenez votre poids. Moi, je prends une bouteille de lait. On va commencer devant. Voilà. Et on va commencer simplement à faire ça. Donc vous pliez, et vous pliez le bras et pliez les jambes. Quand vous pliez, je vous montre de profil, vous avancez un tout petit peu le coude. Parce que le biceps, il y a deux muscles. Là, il faut plier et avancer. Il y a deux chaînes dans le muscle. Voilà. Maintenant, on ralentit et quand on tend, on monte sur la pointe des pieds, on pousse vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Je monte de profil. Serrez les jambes. Coccyx vers l'avant. Le périnée engagé. Voilà. Gardez bien les épaules au-dessus des fesses, ne partez pas en arrière. L'impression, c'est de prendre un coup de poing dans le ventre. Voilà. Et quand vous allez en arrière, l'épaule ne bouge pas, c'est que le bras. Sentez bien la contraction sous les selles, c'est-à-dire les dorsaux et derrière le bras. Triceps. Allez, le côté. On commence en pliant. Comme ça. Souffle. Rappelez-vous qu'on avance un tout petit peu le coude. Alors, vous trouvez votre respiration. Soit vous soufflez en pliant, soit vous inspirez. Ça, c'est pas important. Mais sur chaque mouvement, il y a une respiration. Allez, on ralentit et on monte. Plie devant, pousse derrière. L'épaule bien basse. L'impression, c'est que l'omoplate raye, la pointe de l'omoplate raye le sol derrière. Enfoncez bien les orteils. Et puis alors, merci de vos retours, parce que j'ai eu tous vos mails. Et de me dire que cette barre-là, ça change tout. Merci. Voilà, c'est mon invention du déconfinement, les enfants. Allez, vous relâchez. Alors, maintenant, on va un peu plus loin. Donc, vous allez monter et vous vous arrêtez sous le niveau de l'épaule. Vous voyez? Sous le niveau de l'épaule. Après, il n'y a plus de placement et il risque d'y avoir des pathologies dans l'épaule. Voilà. Et quand vous allez monter, eh bien, vous allez monter la jambe aussi. Voilà. La jambe de terre est très solide. Donc vous serrez la cuisse, contractez-la. Voilà. Souffle, monte. Ça va ça? Allez, vous restez là et vous allez pointer et revenir. Pointer et revenir. Pointe et revenir. Pointe et revenir. L'épaule bien basse. Alors on fait encore quelques-uns. Sans crisper les orteils. Cherchez à les allonger plutôt qu'à faire une serre comme ça.
Allez, à côté. Alors, vous vous rappelez, le bras avance sous le niveau de l'épaule. Sous le niveau de l'épaule, mais sans croiser. Gardez la pince entre les omoplates. Gardez toute la tenue du centre. Et on avance, coup de pied. La main sur la barre est toujours en avant. La jambe de terre est la plus solide. Et oui, c'est ça votre muscle postural. Serrez la cuisse. Étalez les orteils. Ça va tout le monde? Papa est là. Allez, vous restez là. Donc, vous pointez et vous ramenez. Voilà. Souffle, pointe. Grandissez la jambe de terre. Appuyez bien les orteils dans la jambe de terre. Vous avez vu qu'il y a une jambe qui est plus facile pour l'équilibre. Hein, une jambe qui est plus forte que l'autre. Et c'est pas la même. Allez, relâchez. Ok, alors on passe sur le côté, les enfants. On a fait des mouvements vers l'avant. Sur le côté, on va les garder en parallèle. Et naturellement, ce qui arrive, c'est la rotation vers l'extérieur et le bassin qui bouge. Aucun ennemi ici. Voilà. Vous allez me serrer la taille. Et une fois que la taille est serrée, voilà, vous voyez, on ne va pas faire ça. Donc, serrez la taille des deux côtés. Le bricolage de niveau, la bulle au milieu. Voilà. Et vous allez appuyer avec le poids sur la jambe, l'empêcher de monter. Alors, ce travail-là, ça va vous faire un travail de l'extérieur de la cuisse. Le creux de la fesse. Là. C'est très important pour la stabilité. Sans rotation externe. Donc vraiment le genou et les orteils vers l'avant. Quand vous appuyez sur la cuisse avec le poids, vous avez un énorme travail de poitrine, de dorsale. Vous sentez? Et bien voilà. Et n'oubliez pas votre centre. Hein. Le périnée, les obliques, c'est à la base de tout ce qu'on fait. Et là, peut-être que ce que vous sentez, c'est que la fesse de la jambe de sol a beaucoup travaillé. Eh bien oui. Dès qu'on est sur une jambe, pour ne pas se déhancher, ça se contracte. Allez, on commence sans. Le bassin au même niveau. Et puis après, on appuie. Voilà, je me mets un peu plus vers vous. Voilà. Ne tournez pas la jambe. Hein. N'hésitez pas à la regarder. En fait, c'est vous le miroir. Voilà, vous montez par le talon. Gardez le talon. Donc, c'est avant. Bah, ça demande beaucoup de correction parce que instinctivement, si vous lancez le mouvement pour penser à autre chose, vous allez voir le résultat. C'est pas du tout ce qu'on est en train de faire là. Ok, alors maintenant, on passe derrière. Derrière, vous gardez les genoux serrés et vous allez plier sans lâcher le dos. Donc il y a une contraction abdominale. Vous ramenez le bassin vers l'avant. Voilà. Et vous pliez. Là, serrez bien la taille, comme ça. Voilà. Et on va faire exactement la même chose. On va pousser ça en arrière. Basculez bien le bassin. Coccyx vers l'avant. Coccyx vers l'avant. Donc serrez la taille, le bassin vers les côtes. Et évidemment, ça part du périnée. Quand vous bougez le bras, l'épaule est stabilisée, donc vous serrez sous les selles. Et aussi, vous descendez là, vous voyez, vous contractez le bas du trapèze, la pointe de l'omoplate vers la colonne. Grandissez sur votre jambe de terre. Hein. Enfoncez bien le pied. Serrez la cuisse, appuyez les orteils pour stimuler la voûte plantaire. Allez, on fait la tête. Toujours de profil, hein, je vous montre. Mon Dieu, ça y est, j'ai un bug. Ah, c'est là. Régine, c'est bon là? Vous me dites? Voilà, et vous pliez. Voilà. Basculez bien le bassin. Et vous poussez le bras vers l'arrière. La chaise, toujours un peu en avant. On ne prend pas la main sur le côté ni en arrière. Coccyx vers l'avant. Très tendu la jambe de terre. Recule. Vous allez au bout de l'expiration. Comment ça se passe le télétravail, les enfants? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment ça? Il y a Régine qui dit non. T'en vas? Allez, on relâche. Ok. Vous avez vu derrière, c'est pas évident. De reculer la jambe, de plier en même temps, sans lâcher la tenue abdominale. Et c'est du pilates.
Vous savez, c'est même plus que du pilates, puisque ce qu'on fait, c'est du spot pilates. Vous ne saviez pas. Alors, regardez, le genou, vous êtes ici. Soit pointé, soit flex. On va garder flex. Vous allez ouvrir et vous restez plié de l'autre côté. Quand vous ouvrez, on ne bouge pas le bassin. Vous voyez? On ne bouge pas le bassin. Simplement, c'est la fesse qui ouvre. Voilà. Et vous gardez la tenue abdominale qui empêche le bassin de bouger. Je vous montre de profil. Régine, ça va, ça vous me dites? Ouais. Mais qui est Régine? Allez, regardez. Là et là. Le coude sous l'épaule. Donc vous contractez les muscles sur l'omoplate pour faire la rotation externe. Et vous arrêtez la main quand vous sentez que c'est le maximum de la rotation. Non, portez pas tout. Voilà, si vous voulez pointer, n'hésitez pas. Allez, on change. Ouvert. Est-ce que vous voulez que je recule un petit peu, Régine? Non? Engagez bien les obliques pour que le bassin ne bouge pas. Choisissez pieds pointés ou pas, comme vous voulez. Le coude reste sous l'épaule. C'est tellement plus que du sport, les enfants. Amusez-vous. Prenez du plaisir. Allez, on relâche. Ah. Alors, les enfants, c'est fabuleux quand même. Parce que à partir de là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Regardez, restez comme ça. Vous allez ramener le talon vers l'avant. Vous avez ça? Talon en avant. Et vous ramenez le genou. On est en parallèle par terre. Allez. Et on reste sur notre ouverture. Là. Voilà. On serre entre les omoplates. Imaginez que vous avez une coupe de champagne sur le talon. Nous, c'est champagne. Hein. Oui. C'est chic. Non, c'est pas fait de la bière. Allez, relâchez. Fermez. Changez. Allez, en parallèle, notre rotation. Et ouverture, la tenue abdominale, talon en avant, talon en avant, serré entre les omoplates. Sentez bien que c'est contracté sur l'omoplate pour faire cette rotation. Mets les épaules basses. Talon vers le haut, la coupe de champagne. La main en avant, c'est pour l'équilibre. Hein. Testez-le votre équilibre. Défouillez. Et vous relâchez. Allez, enfants, là c'est l'année de tous les dangers. Oui, c'est un film. Allez, montez sur la pointe des pieds. Mettez-vous en parallèle ou en ouverture comme vous voulez. Vous l'avez ce truc là? Alors, on va monter la jambe derrière, la main en avant là, et avancer le bras devant. Voilà. Mais on reste sur la pointe des pieds. Alors, vous faites ce que vous voulez avec le pied derrière, hein, pointé ou flex. Encore un ou deux. J'ai la crampe passe qui arrive, les enfants. Mais je souris. Ah. Ah. Allez, pointe de pied. Tenue abdominale, coccyx vers l'avant. Allez. Devant, derrière. Vous pouvez garder le pied flex derrière si vous voulez. Hein, quand vous montez. Ah oui, mais les crampes, c'est les deux côtés. Hein. Grandissez-vous. Un doigt pour l'équilibre. Allez, dernière fois. Voilà, vous relâchez. C'est un énorme travail de jambes. Le travail debout en pilates est beaucoup plus dur. Ça demande une perfection au sol. Allez, couchez. On y va. Prenez votre tapis. Je me mets loin pour que vous me voyez en entier. Et je vais demander à Miss Régine, 2020, si elle me voit quand je mets mon par terre. Dites-moi. Ouais. Alors, vous allez vous asseoir. Voilà, ça demande aussi une grande technique d'être assis parce qu'en fait, on n'a pas le repère du sol. Donc là, vous allez arrondir le dos en soufflant, sauf si vous avez une scoliose, je vous montre juste après, et vous revenez. On a les jambes en losange,
mais on colle les talons pour qu'il y ait une activation des muscles à l'intérieur. Voilà. Le périnée engagé. Jamais rien sans le périnée, les enfants. Hein. Voilà. C'est la base de la contraction abdominale. Donc vous le remontez comme ça. Pour ceux qui ont une scoliose, vous allez droit en arrière. On ne rajoute pas de déformation vertébrale, de mouvement vertébral sur une scoliose. Voilà. Si vous êtes à l'aise, essayez d'aller plus loin, sans perdre de contrôle. Voilà, vous soufflez en arrière et vous inspirez, vous revenez. Trouvez la force en serrant les jambes. Et je ne suis pas cramponné, vous savez, il n'y a pas des traces de sang avec les ongles sur mes jambes. Voilà, ça reste en fait un peu comme un... Ouais, c'est un film romantique. Comme la musique. Mon Dieu, les enfants, c'est dur. Allez, restez là. Alors, ce que vous allez faire, c'est quand vous partez en arrière, vous allez me soulever une jambe. Allez, vous revenez. En gardant toujours le bassin équilibré. Voilà. Toujours le bassin relié aux côtes et la tenue abdominale. Quand vous soufflez, mettez un peu de force derrière les lèvres. Il y a plus d'engagement périnéal. Ok, montez un peu les fesses. Alors vous avez les mains qui sont vers l'extérieur. Et si vraiment ça fait mal au poignet, n'hésitez pas à mettre les doigts vers l'arrière. Alors baissez les épaules, montez les fesses. Restez et revenez. Quand vous montez, ne partez pas comme ça. Essayez de garder les épaules au-dessus des mains. Sentez bien le talon de la main appuyé et ses deux doigts aussi appuyés. Allez, soufflez, vous montez. Et soufflez, vous descendez. Vous voyez, vos orteils sont vers l'avant. Ne me faites pas des choses vers l'extérieur, des canards comme ça, c'est dangereux pour les genoux. Voilà, je vous montre de face, juste une fois, parce qu'après il y a la régime qui va me dire que c'est pas le meilleur angle du monde. Et elle a raison pour une fois. La régie me fait les gros yeux. Au secours. J'ai besoin d'amour. Allez. Et restez en l'air pour relâcher un peu et vous remontez. Appuyez bien les doigts. Gardez l'arrondi de tout le dos. De haut en bas. Sentez travailler derrière la cuisse, mais surtout la bascule du bassin. Et vous relâchez, vous vous étirez vers l'avant, poussez le ventre en arrière, le ventre au bas des côtes et tirez les doigts vers l'avant. On n'arrondit que le haut du dos, pas de mouvement sur le bas du dos. Vous avez le bas du dos qui est contre un mur imaginaire. Allez, vous revenez, alors, mettez-vous sur l'arrière des fesses, les jambes sont en l'air. Vous l'avez ça? Maintenant, vous allez prendre votre coussin que vous pliez en boule. Si vous avez un ballon, vous le mettez entre les genoux des enfants. Pour ceux qui font déjà mon cours à M6, vous pouvez mettre le ballon. Voilà. Et là, vous allez simplement ouvrir l'angle et revenir. Si c'est trop dur pour vos abdos, posez les pieds. Si vous avez l'impression que c'est un peu d'inconfort sur le dos, n'hésitez pas à mettre les fesses un peu en hauteur. Voilà. Vous inspirez, vous ouvrez. Vous soufflez, vous revenez. Vous savez qu'en fait, votre tenue abdominale, ce n'est pas une question de refermer, ouvrir, tirer sur la tête. Ça, c'est du sport à l'ancienne, les enfants. Les abdominaux sont là pour stabiliser la posture. Quand vous stabilisez la posture, ce n'est pas des gestes extraordinaires. Hein. Ce n'est pas la guerre. Et là, c'est très intense, parce que c'est contracté tout le temps. Ça ne se voit pas, mais ça se sent. Allez, relâchez. On refait nos ponts. Les mains, vous choisissez leur orientation, mais vous gardez les mains sous les épaules. Voilà. Allez, vous montez. Cette fois-ci, vous avez les jambes serrées. Vous l'avez? Vous allez monter une jambe après l'autre. Donc, vous allez vous retrouver sur une jambe avec la fesse de la jambe de terre qui va travailler pour stabiliser tout ça. Voilà. Pensez aussi à appuyer les orteils.
Vous essayez de déplier davantage? Essayez de déplier plus si vous y arrivez. Même si c'est un petit peu vers l'avant. Et vous relâchez. Et encore une fois, vous faites l'étirement du coquillage. Poussez le ventre en arrière, les bas des côtes et vous tirez les doigts vers l'avant. Mettez-vous sur l'arrière des fesses. Donc je vous rappelle, hein, si vous avez le ballon, sinon vous mettez le coussin entre les genoux, vous allez rouler sur le début du dos. Donc on roule sur le sacrum et le bas du dos sans poser les épaules. Alors, vous inspirez, vous allez en arrière et vous soufflez, vous revenez. En gardant toujours la même distance entre les jambes et le buste. Si vous ramenez trop, vous risquez de pincer le bas du dos. N'hésitez pas à ouvrir l'angle entre les jambes et le buste. Et là, vous voyez que vos abdominaux sont tout le temps contractés pour stabiliser le bas du dos. Vous voulez aller un peu plus loin, vous mettez les mains comme ça, sur les côtés. Comme ça, vous n'êtes pas cramponné. Rentrez le menton, serrez les jambes. On serre les jambes, on contracte le périnée, on serre les obliques. Ça, refaites-moi juste un ou deux pompes pour étirer les fléchisseurs. Maintenant, vous allez aller sur les genoux. On a un travail simultané, plutôt alterné, du dos et des abdos. Voilà, mettez-vous sur les genoux. Est-ce que vous me voyez? C'est bon? Pieds flex. Basculez le bassin, vous partez en arrière. Appuyez bien les pieds dans le sol. Donc, on ne va pas loin, on doit sentir le coccyx vers l'avant. Vous serrez fort le bassin vers les côtes. Et l'impression que c'est vous serrez le ballon entre les genoux. Ne laissez pas les jambes s'écarter. Est-ce que vous allez lâcher le bas du dos? Vous l'avez ça. Donc on est les menton rentré, coccyx vers l'avant. Le périnée. Hein. Maintenant, on fait le contraire. On n'est plus arrondi sur le bas du dos. Au contraire, vous allez cambrer légèrement. Mettez la main sur les reins pour sentir. Écartez les os des fesses. Vous êtes à moitié assis, à moitié penché. Les mains sur le haut des cuisses. Gardez la contraction entre les omoplates. Voilà, et vous revenez. Donc en allant en avant, surtout ne pas faire ça. Et écartez les os des fesses. Retrouvez la cambrure et tout le soutien abdominal. L'impression c'est de resserrer le bas des côtes. Et vous regardez à 2 mètres devant vous pour ne pas arrondir la nuque. Si vous êtes à l'aise, ouvrez les bras. Voilà, comme ça, vous allez aussi avoir la contraction entre les omoplates. Et vous avez vu que mes coudes sont vers le bas, sous les épaules, pour ne pas avoir les épaules en l'air. Maintenant, si on veut alterner, on va en arrière en basculant. On revient et on penche, on recule les fesses, on écarte. Ça va encore ça? Vers l'arrière, on arrondit le périnée. Vers l'avant, on cambre, on tient le centre. Et on rajoute des bras, ferme. Voilà. Et pousse. Allez, ferme. Et pousse. Appuyez bien les pieds dans le sol. C'est bien ça. On va aller à quatre pattes pour travailler le dos encore. Vous allez allonger une jambe. Appuyez bien les doigts. Écartez largement les mains. Vous voyez? Pas comme ça. Vraiment large pour pouvoir appuyer tous les doigts. Pour ne pas avoir faire ça. Vous voyez? Maintenant, vous allez garder la main sur l'épaule. Et vous allez pivoter vers le plafond. La jambe opposée tendue. Vous pivotez en gardant toute la tenue abdominale. Et vous revenez.
La main qui est dans le sol est très enfoncée pour ne pas s'effondrer. Allez, repoussez la main, appuyez toujours le pouce et l'index. Vous allez bien, Régine? Régine, c'est une voisine qui est dans le cinéma, donc elle me fait ça dans le service. L'autre côté, allongez la jambe. Regardez, repoussez bien, repoussez bien. Voilà, allez, vous pivotez. Elle me fait des signes, je me tourne. Ah, repoussez bien la main. C'est ça, là. Ça va, je crois. Est-ce que vous sentez cette contraction qu'il y a sous l'omoplate quand vous pivotez? Alors la panse, c'est vers l'intérieur, c'est pas au sol, hein? C'est pas un documentaire animalier. Oh, ça va, Régine. Je me tais, Régine, d'accord. Les enfants, vous vous rappelez ce que vous avez fait de l'autre côté? Mais bien sûr. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pivoté. Restez dans le pivot là. Appuyez bien la main dans le sol. Maintenant, vous allez monter. Il n'y a pas la place dans ces salons. Ouais. Ouais. Vous allez monter la jambe et vous allez revenir. C'était quoi? Ouais. C'est le décor? Là, vous pointez, vous revenez. Je peux pousser le décor, Régine? Je vais avancer, Régine. M'en veillez pas. Voilà. Vous déduirez ça de ma fiche de paix. Voilà. Donc, je suis pivoté. Je monte à l'arrière. Talon vers le plafond, le bassin face au sol. Enfoncez bien la main dans le sol. Et de l'autre côté, doucement. Oh, vous me faites les gros yeux, je remets, c'est bon. Allez. J'ai pivoté. Je monte. Enfoncez bien la main dans le sol. Tout ça, c'est pour vous regarder. Vous vous doutez bien que ça vient pas de moi le mouvement, hein. C'est la Régine. Allez, relâchez. Vous vous mettez à quatre pattes avec un godoron. Et si vous prenez des envies d'aboyer, vous montez les fesses pour étirer l'arrière des cuisses. Allez, vous revenez à quatre pattes. Les fesses. N'hésitez pas à plier un peu les jambes. Encore. Magnifique. Alors les enfants, gardez, vous allez tendre une jambe après l'autre. Et reposer un genou après l'autre. Allez, tendu, tendu. Posez, pose. Tendez les deux jambes. Posez les genoux. Repoussez bien les mains dans le sol. Est-ce que vous me voyez bien un doigt? Regardez. Vous posez, vous pliez à moitié en serrant les coudes. Encore, tendu. Pose, pliez. Sans avoir les omoplates qui se resserrent. Regardez, on ne fait pas ça. Non, on ne bouge que les bras. Les épaules sont fixées, le dos aussi. Allez, étirez-vous en fente, tendez la jambe, faites ça de l'autre côté. Relâchez, asseyez-vous sur le coussin, vous pliez légèrement les jambes, vous vous étirez vers l'avant, poussez bien le ventre en arrière. N'hésitez pas à tendre si vous pouvez, mais gardez plié si le dos s'arrondit en bas. Si vous n'êtes plus appuyé sur les os des fesses. Voilà. En tailleur, le bras par l'avant, vous étirez sur le côté et vers l'avant. Le bras par l'avant, sur le côté et vers l'avant. Appuyez bien les jambes dans le sol. Et on relâche. Mes petits chéris M6, je vous retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine
Continuez à m'écrire si vous voulez. Et si vous avez envie de me suivre sur Facebook, en direct, 9h, 12h, 18h30. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Allez, on y va. Alors, on se couche, on va faire l'étirement des fessiers. Quand on se parle, il faut toujours parler de fesses. Allez, vous croisez les genoux. Voilà, frappez les genoux. Gardez les fesses plantées. Est-ce que vous êtes là, en fait? Bah oui, ils sont là. Tu sais ce que j'étais en train de penser? Qu'en fait, Jean Gilbert. En anglais, ça fait John Gilbert. C'était l'amant de Greta Garbo. Mais il est horrible. Mais quand même. Il n'a pas passé le muet parce qu'il avait une voix de chien. De la casse. You're John Gilbert. And I am Greta. Mais il était la reine Christine. Elle l'a fait engager pour la reine Christine. Allez, tirez vers vous. I am Greta. Now I know. Mon Dieu, mais elle nous faisait la honte, la Greta Garbo, tu te rappelles? En vacances, toujours toute nue. Elle se baignait toute nue. Ah, mais incroyable, celle-là. Allez. Ouvrez la poitrine, poussez les fesses en arrière. C'était le Grotta, c'était pas la Greta, celle-là. Non, mais c'est chez elle, c'est normal, hein. Tu fais le naturisme. Gilbert, taisez-vous. Vous me fatiguez. Ça me fatiguait le tournage pour M6. Alors, je suis sur mes nerfs. Faut pas m'énerver. Non, mais franchement, dans la vie des cas, quand on était invité là-bas, tu sais, à San Luis Obispo, là, tu te rappelles, dans le Panama. Allez, poussez les genoux vers le bas. Vous ramenez les genoux vers les aisselles et vous les poussez vers le sol. Earth Castle, oui c'est ça, Earth Castle. Je suis en train de me liquéfier de l'entrejambe. Ça fait du bien. Allez. On va prendre son pied. On laisse dépasser les orteils. Vous avez vu, c'est vraiment un même longueur. Si vous avez mal au genou, vous pliez un peu. Ah, les épaules en arrière. Si vous avez le cou cassé, mettez plus haut. Sur la tête. L'autre jambe à table. Et après, vous l'allongez. Oh là 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 là. Pieds flex les deux, sans poser au sol. Vous résistez un tout petit peu à l'étirement en poussant la jambe contre la serviette vers l'avant. Restez en parallèle. Continuez à pincer entre les omoplates. C'est plus le même Gilbert devant la 6. C'est vrai. Hein. Il perd tout son charme. Qui ça? Toi. Devant M6. Tu perds tout ton charisme. C'était qui? Bah, Rumba, mais on est d'accord, hein. C'est vrai, hein. En plus, j'arrive plus à zoomer. Mais c'est pas pareil, les enfants. Là, c'est mon employeur. Je peux pas faire Gilbert, vous comprenez? Tandis que là, j'ai pas d'employeur, je vous l'impose. Ils ont pas d'humour. Allez, passez entre les omoplates. Je peux pas leur faire Gilbert, pilote des Caraïbes. Ah, génial! Gilbert, pirate des Caraïbes. Pilate des Caraïbes. Ah, pilate des Caraïbes, c'est ça. La fille, elle rigole faux en plus. J'ai honte. Allez, les filles. Bon, si je te dis ta gueule, qu'est-ce que tu comprends? À la récré, Renaud. Une jambe comme une jambe pliée. On appuie plus du côté plié. On ne lâche pas le centre. Voilà, vous essayez de refermer un peu les jambes. Petite résistance. Toujours le menton rentré. Après, vous faites l'autre côté. Moi, je peux pas. C'est petit ici. Faudrait que j'y vais en garde, vous savez, comme à Hollywood. Pour tourner les séries. Je pourrais déplier mes jambes sur le côté au moins. Appuyez bien plus du côté plié. Voilà, en fin de compte, c'est plus drôle de ne pas te payer.
C'est ça en fait, ouais. Moi je donne le truc pour me battre. Allez, va lâcher. C'est vrai, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on passe dans cette posture que j'adore. On discute entre nous. Vous pouvez mettre quelque chose sous les fesses. Si vous avez mal au genou, vous faites ça. Voilà, moi je vous fais les adaptations online. Vous tirez et vous pivotez. Gardez la fesse au sol. Vous pouvez arrondir légèrement le haut du dos. Attrapez avec le coude. Le centre. Comme ça, le centre. Vous grandissez, vous inspirez, vous soufflez, vous tournez. Résistez un tout petit peu, vous poussez le genou contre l'avant-bras ou la main. On charge. J'adore cette posture. Alors là, ça s'appelle le sage. Et dès que tu plies, hop, tu sais pas pourquoi, ça devient le seigneur des poissons. Allez. Gardez la fesse plantée. On a donc officiellement atteint le point ta gueule. Ça, c'est bien. Mais, évidemment. C'est le seul qui me comprend, cet univers. Allez, plantez bien la fesse. Savez-vous planter la fesse? Si je décolorais Jean-Gilbert, qu'en pensez-vous? Moi, je ne vous ai pas raconté ce que j'ai fait une fois. Tu récupères toutes mes idées. Je ne peux pas le dire. Bah alors, ne le dis pas. Je me suis décoloré tous les poils, comme ça. Je me suis dit, parce que j'avais honte, je t'ébranle comme ça, tu vois. Je pars en Floride. Qu'est-ce que j'ai... Au bout de 2 jours, j'étais vanille chocolat, parce que ça repoussait. Je me baigne dans l'Atlantique. Avec beaucoup plus de chocolat. Je me baigne dans l'Atlantique. Ça tourne la couleur. J'étais... Rouge. J'étais chocolat pistache. C'était vert. Le jaune était devenu vert. C'était horrible. Mon Dieu. Tu n'as jamais raconté. Non, parce qu'on rentre toujours dans la séduction, toi et moi. Oh là là. Ah, des filtres Snapchat sur Jean-Gilbert. Allez, on fait le lézard. Je ne sais pas comment faire ça. Il va falloir que je m'y mette. Je vais demander à ma fille, qui est une championne de Snapchat. Les enfants, on m'a dit que mon t-shirt était plus grand que mon short. On va lui mettre des oreilles de lapin à Jean-Gilbert. Allez, vous mettez les mains sous les épaules. Vous avancez le pied plus loin que le genou. Je vous dérange pas, les filles? Vous tendez la jambe derrière ou pas? Et attention, vous allez pivoter dans la jambe avant. En tenant royalement le centre. Allez, on fait l'autre côté. Le lézard, le pied en avant du genou. Est-ce que tu me vois? Oui. On soulève. Et on pivote. On n'est pas obligé de soulever. Hein. Appuyez bien la main au sol, grandissez-vous. Tu as les photos de cette chose moitié verte, moitié chocolat, moitié décolorée? Mais évidemment non. Ah. Et je vous rappelle, je ne vous ai pas raconté, quand je me suis frisé, je ressemblais à Louis XIV. Mon père, il avait un choc, il m'a dit, ah, ça change. Mais moi, j'avais dit, bah, comme ça, la frisure, ça raccourcit, il faut que ce soit très long, donc j'avais les cheveux, tu vois, c'était Dalida. Frisé, c'était Louis XIV. Avec la moustache qui était naissante, ah, j'étais ravissant. Ah, bah écoute, on m'a pas sauté dessus, hein. Dans la rue, la nuit, ça allait bien. J'ai dit des choses qu'il fallait pas. On étire le psoas. Sylvia est en tristesse. Parce que t'as pas de photo de tout ça. Si, il y a une photo de toi, les cheveux frisés. Oui, si tu arrives à voir entre les lames de rasoir. Mais je vais te faire du chantage avec. Poussez les fesses en avant. Je vais la récupérer. Je vous rappelle, comme dirait Béatrice, on gobe du coccyx. Comme ça vers l'avant. Appuyez les deux pieds. On va faire un test, regardez, pour voir si vous êtes coronalable. Regardez. Coronalable. Soulevez le genou. Voilà. Sans l'écarter, hein. Are you coronable? Are you coronable? Il n'y avait pas une émission comme ça. Je pense que tu n'es pas assez photogénique. Je pense que tu ne sers pas assez ton périnée.
Oui, le jury ne sait pas si ton périnée peut poursuivre l'aventure. Allez, soulève. Mon dieu, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va se faire un procès un jour. Bascule le coccyx vers l'avant. T'es quand même insupportable, faut le dire. Tu sais que ton périnée, il tape sur des bambous et c'est numéro 1. À qui tu parles? À eux ou à moi? Mon périnée ne t'adresse même pas la parole. On connaît pas la chanson. C'est bien qu'on connaît pas la chanson. C'est quoi? C'est quelle chanson? Il tape sur des bambous et c'est numéro 1. Non, ça va? Non, mais je connais dans pas. Dans son milieu, on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque, il a des copains. On se lève. Tu sais, quand des chansons paillardes. Happy birthday to you. Qui c'est qui m'a envoyé ça hier? C'est un garçon, comme ça, merci, tu m'as mis en joie. On croise devant, la droite. On serre les jambes. Et on s'étire sur le côté. Si jamais il y a une douleur dans le bas du dos, vous avancez un tout petit peu. Poussez les côtes en arrière. Si vous êtes à l'aise, vous vous redressez. Le périnèche. De l'autre côté, je serre. Oh. Et je me sens le coccyx véhémentement dans l'avant, dans un geste tribal. Jean Gilbert, premier consul de Coronaland. Tu es cité. Faire des étirements à rien aux éclats, c'est dur, dit Florence. La jambe est tendue derrière. Maintenant, hein, ne changez rien que le bras. On se lève tous pour Gilbert. Et on va le poser. Gilbert. Ah, ça, c'est Danette. Ça, je connais. Je connais la Danette, moi. Je connais bien la Danette, moi. Et est-ce que je vous ai dit aussi périnée égale à C2? Non. Allez. Jambe tendue à gauche, bras gauche. Et on va de l'autre côté. Enfoncez le talon dans le sol. Vous savez, comme Thor, quand il donne un petit coup de marteau comme ça dans la terre. Oula, tu cites ta fille. Tu cites les références de ta fille, là. Ah bah ouais. Oula là. Ah bah ouais. Ça va? On fait des choses sexy? C'est pas parce qu'on est en confinement qu'on n'est pas sexy, hein. Alors, regardez. Vous écartez les jambes. Mettez les mains à l'intérieur, là, comme ça. Vous allez pousser l'épaule en avant et le genou vers l'arrière. Allez, vous pouvez tourner un petit peu la tête. Tenez bien le ventre, hein. Et puis après, vous faites de l'autre côté. Voilà, le ventre bien tenu. Allez, encore une fois. Pousse les genoux vers l'arrière. Une dernière fois. Vous revenez face, vous refermez les orteils. On étire le haut du dos. Je périne, donc je suis. Mon dieu, on va faire vraiment un code, un livre. Périnée, alors notre périnée. On va tout se faire. Mon Allez, ouvrez la poitrine, les mains vers le sol, les mains vers l'arrière. Vous sentez le poitrail et vous chantez l'hymne de Périnéland. C'est qu'est-ce que ça pourrait être, hein? Cherche. Allez-y avec moi. Nanana, périnée. T'as dit de pas chanter. Nanana, nanana. On avait dit qu'on arrêtait, non, à partir d'aujourd'hui. Allez, relâche. C'est fini. Je m'en vais. Bon, allez. Bisous tout le monde. Je me trompe de caméra. Bisous tout le monde. À plus tard. Dites-moi que vous êtes là, parce que je sais que vous êtes là. J'ai eu tellement de messages hier, je sais qu'il y a des gens qui se cachent là derrière dans mon portable. Je vous aime quand même. À ce soir à 18h30. Je peux me déshabiller? Oui, tu peux. C'est vrai? Ils sont déjà partis? Je vais finir tout nu devant eux un jour, hein.